mais on est tout blanc là. Ouais, on est tout blanc. C'est bras. Hein. Salut Jean-Claude. Salut Michael, comment ça va? Ça va. Je suis un peu pris là, excuse-moi. Ouais. Écoute, j'ai regardé mercredi. Oui, alors t'es bien. Et franchement, j'ai regardé le premier épisode, j'ai tout de suite accroché. Ouais, moi aussi. Tout de suite accroché au premier épisode, je trouve qu'ils sont. Ils respectent le film original. Oui. Mais y a vraiment des trucs qui changent. Comment elle s'appelle? Ah, je sais plus l'actrice. Je sais pas, je connais pas dans la de l'actrice. Si, l'actrice, elle est connue. Elle est connue. Je parle pas de la jeune, je parle de la mère. Ah, de la mère. Je sais pas. Ah, je sais plus. Ah purée, faut. Mais moi j'aime bien. Je suis. Alors on fait la vidéo. J'ai encore 3 épisodes à. La chose, elle a des cicatrices et tout. Ouais. Je trouve ça vachement bien. Ça fait un petit peu l'univers Harry Potter quand ils sont dans l'école. Je trouvais. Ouais, il y a un peu de ça. Et c'est bien parce qu'il y a de la magie, il y a des monstres. Catherine Zeta-Jones. Catherine Zeta-Jones. Et surtout, est-ce que tu savais ce truc-là? C'est que la fille qui a joué mercredi dans le film joue dans la série. C'est celle avec ses lunettes là qu'on voit. La prof de. Oui. De plantes. Oui. Ah ben c'est la mercredi qui jouait mercredi dans le film quand elle était petite. D'accord. Oui. Voilà. D'accord. Ah, je ne savais pas. Ah ben voilà. Tu m'as appris quelque chose. Maintenant, tu le sais. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne comme d'habitude. On continue, Jean-Claude, avec les Iron Man. Oui. Dans la série collection Hot Toys. J'ai vu que t'en as fait pas mal avec Papy. On en a fait avec Papy. Il y en aura sur la chaîne avec Papy. Et celle-là, je voulais t'inviter parce que elle est. Parce que tu vas l'acheter. Enfin, je pense qu'elle va, terminer à la maison. C'est la marque 1. Et il y a beaucoup de choses à dire sur cette figurine. Est-ce que tu peux la prendre, s'il te plaît? Merci beaucoup. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous en supplie. Hop là. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Alors, il faut savoir que Hot Toys, Jean-Claude, avait fait 2 marques 1. Ça, c'est la 2.0. Oui, exact. C'est la 2.0. Et étrangement, celle-ci est... Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que celle-ci, elle est plus cotée que la première. Parce que la première, elle est assez simple. Tu sais, moi, les histoires de cotes et tout ça... On ne va pas parler argent. Non, attends, tu me laisses finir, oui, tu me laisses exposer mon... Je vous en supplie. Le prix qu'un mec met, un mec pourra la mettre sur eBay, il pourra la mettre à 2000 euros. Elle partira jamais. Mais c'est pas, il faut pas voir les prix auxquels les figurines sont mises, il faut voir les prix auxquels elles partent. Auxquels elles partent, tout à fait. Parce que c'est sûr que, voilà, moi demain j'ai une autre toy, je peux la mettre à 1000 euros. Mais est-ce qu'elle va partir? Est-ce qu'elle va partir? C'est ça la question. Oui. Alors que si je la mets à 300 euros, elle part. Elle part. Donc il faut doser. MMS 168. Alors marque 1 2.0. Donc c'est la marque, c'est l'armure que Tony Stark fabrique donc dans la grotte. Celle-là j'aime bien. Ouais. J'ai failli me la prendre en Marvel Legend. Oui. Et ouais. J'ai vu, elle est à, tu sais, ils font donc des Iron Man à 50 euros là. Oui, 45. Elle est sur Amazon. La marque 1, elle est sur Amazon. Ouais. Elle est pas mal, franchement, c'est, je crois, 20-25 cm. 25 cm, je crois, elle est pas mal. Et elles sont vraiment bien. Hein. La première, c'était la MMS 80. Le HS, c'était pas terrible, elles se sont améliorées au niveau du sculpte du visage. Et je crois, il y a le lance-flamme, il y a le socle est différent. Dans la première, c'était un simple socle. Et là, c'est un très beau socle, on va voir ça ensemble. Tu vois, moi, si je devais avoir des Iron Man, ce serait une comme ça. Et la première tenue que Iron Man fait en la marque, la rouge et or, la première et celle-là. Et celle-là, quoi. Voilà. Donc, la boîte, le visuel, c'est un petit peu aspect du bois à l'intérieur. On voit l'architecture donc de l'armure. Donc, la boîte, elle est jolie, franchement. Ouais, franchement. Ça, c'est l'architecture de l'armure. Elle est vraiment avec bien. Avec le lance-flamme de côté. On va faire doucement parce que, pour l'instant, elle n'est pas encore à moi. Donc, on va faire doucement. J'ai dit pour l'instant. Message à Alex et un grand merci à Alex que j'aime beaucoup. J'ai un peu de lèche et marque 2.0, ouverture sur une petite boîte fenêtre très mignonne, très simple, et on découvre la super figurine. On a les warnings, donc c'est pas les warnings, hein, c'est les gens qui ont participé à la création de la figurine. Voilà. Ce n'est pas les warnings, les cast and crew. Oh là là, the cast and crew, the cast and crew, pour parler English collectible. Donc j'ai MMS 168, je l'ai dit. On va la découvrir ensemble, on va faire très doucement. Est-ce qu'il y a... Alors, il y a un beau fond. Non, je rigole. Ah ouais, je croyais. Doucement avec la boîte. Doucement avec la boîte. Ne m'abîme pas la boîte, s'il te plaît, je t'en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Pas beaucoup d'accessoires. Deux mains de rechange. Elle n'a pas besoin. Elle se suffit en elle-même. Deux mains de rechange, des flammes, la figurine. On va faire doucement.
Ah là, on est sur quelque chose de beau. Tu l'avais pas vu toi, hein? Ah, j'adore. Attends, tiens là, je vais. Ça, c'est vraiment le. On va truc sortir le socks, peu, je préfère, parce que. Un peu de destroy, récup. Ouais, ça tu change sais, un peu, ça change un peu, quoi. Je t'ai dit que ça change un peu. Je pense que je vais même peut-être. Deux points de rechange, voilà. Je vais peut-être me procurer. La 25 cm, là, ouais. Sur Amazon. Oh, purée, ça s'ouvre. Ouais. Oh. Ça s'ouvre. Oh. Oh, purée. On va regarder le soc vite fait et on va la poser parce que comme ça, je serai rassuré. Ah ouais. Le soc, je vous fais des visuels en gros plan. Tenue et tout, les détails. Donc le sol est fait dans le désert, tu sais, quand il est en Irak, je crois. Oui, oui, oui. En Irak, avec ses armes qui vendent là-bas. Avec, il y a des munitions, il y a une espèce de pierre et tout ça. Elle est magnifique. Elle est splendide. Franchement, elle est splendide. On a des effets de flamme. Je vous ferai des visuels. Hein. Il faut l'incruster au niveau du pegs. Donc on verra ça tout à l'heure. Hop. Ouais, il n'y a pas grand chose, mais comme tu dis, elle se soucie à elle-même, quoi. On va tout de suite la poser parce que j'ai un peu peur. Tac. C'est vrai que niveau. Elle est, enfin, voilà, elle est pas je te la laisse. Elle n'est pas très stable. Elle est pas très stable. Il faut écarter un peu les jambes. Et on va la poser sur son petit socle. Ouais. Bon, ton verdict. Moi, j'aime beaucoup. Ah, j'adore le côté soudure. Ouais. Le côté un peu récup, quoi. Hein. Ouais. Ça claque pas. C'est pas comme du comme une l'Iron Man où est tout belle, tout propre, ouais. Machin. Là, on a le côté brut. Brut. Et les détails, c'est les câblages derrière. Il y a du tissu. On a un tissu qui est. C'est pas que du plastique. Hein. Il y a du tissu à l'intérieur. Ouais. Il y a pas beaucoup. Le pantalon est en tissu. Le pantalon et le haut est en tissu. Donc ouais. Ça c'est génial. À l'arrière, on a les trucs pour alimenter les lampes. On a des câbles qui se baladent un peu ouais. Partout là. Toi qui t'y connais un petit peu là, on a des. Alors là, on a un compresseur 12 volts. Non mais, c'est génial. Le premier arc réactor. Ah, hop là, il nous la place. La dernière fois, tu te rattrapes par rapport à la dernière fois. Hein. C'est la fois je l'avais oublié. Ouais. Et bien évidemment, ce qui est génial, on ouvre, hop, et on a. Bon, par contre, ouais, on est très très limité. Hein. Ouais, un peu limité au niveau des articulations. On a la tête de Iron Man. Alors là, attention, c'est le Tony Stark du premier. Hein. Donc, il date. Tu vois, je trouve que là, elle est plus ressemblante ouais. Que le Tony Stark que tu m'avais montré la dernière fois. Que tu avais fait avec Papy. Là. Ouais. Mais, ouais, il y a même des inscriptions encore. Non, il a la moitié du bonnet. Ouais, la moitié du bonnet, ouais. Je crois qu'on ne peut pas retirer complètement. Je crois que ça se retire, mais je ne vais pas m'aventurer. Mmh. Normalement, non, hein. Je crois juste soulever ça, mais non, on va pas le casser. Pour moi, ça se retire pas. D'accord, donc on va pas le casser. Comme ça, j'aurai un prétexte pour l'acheter. Oh, je suis obligé de l'acheter. Donc, c'est vous retirez la main. Au niveau articulation, on est vachement, ouais. Vachement limité. Après, je pense qu'on va pas lui donner des poses de fou à cette figurine. Alors, au niveau des épaules, c'est... Faut retirer la main et ça, vous le mettez au niveau du pegs. Je vous ferai des visuels. Voilà, il le tient en dessous de la main et il lance le... Oh, c'est lourd, hein. Lance-flamme. Ouais. Ouais, c'est un peu lourd. Je suis curieux de savoir en la mettant si ça tombe. Si ça tient, faut jouer un petit peu parce que. Alors, oui. Une remarque. Oui. Moi, là, les je sais pas si vous les voyez correctement, les deux trucs là à côté, là, les genres de. Ouais, je fais des gros plans. Des trucs. Pas de des char. Chaînes, des. On dirait des c'est des courroies. Les genres de courroies. Ben, moi, j'aurais poussé le truc à mettre des vrais courroies que tu puisses tourner. Cela c'est du plastique, mais j'aurais mis des vrais courroies. D'accord. Tu vois. À l'intérieur, il y a quand même le costume en tissu, c'est bien. Il y a ses chaussures. C'est une figurine à l'intérieur. Hein. Ah, on retrouve vraiment des câbles un peu ouais, c'est mis ça que un peu à l'arrache. Comme ça. C'est ça que j'adore sur cette figurine. Des morceaux de plaques de tôle qui ont servi à autre chose. Ouais. Ah, c'est. C'est. Elle est très belle. Hein. Je vais me commander la petite. Sur Amazon. Franchement. Non, elle est belle. Elle est très belle. Si celle-là, t'arrives à te l'obtenir. Je pense que. Ouais, elle va terminer à la maison, celle-là. Tu vois, ça, je pourrais mettre des sous pour celle-là, mais ouais. Pas pour une Iron Man. Je comprends. Je sais pas pourquoi. Elle est spéciale. Elle est spéciale, elle a quelque chose. Je sais qu'elle est très recherchée par les collectionneurs, forcément. Ouais, elle est très recherchée. Mais c'est vrai que. Alors, je sais pas combien elle est cotée. Bon, on va pas parler argent parce qu'elle date depuis plusieurs années. Je sais pas. Mais je crois que. Ouais, aux alentours de. Je sais 600, pas, 400, 700, 500, ouais, 400, 500, 500, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est une sacrée somme. Mais c'est.
Voilà, c'est comme dit, c'est ça dépend à combien ils la mettent. Oui. Ah, il y a même un petit interrupteur Ah, j'ai pas vous vu. savez, les interrupteurs qu'on a sur les grosses machines où on appuie sur le bouton rouge pour que D'accord. ça s'arrête, quoi. Non, c'est C'est belle pièce. elle est vraiment belle, Je celle-là. suis vraiment content de la Et voir, c'est fou, hein. je suis bien. Ouais, alors par contre, il faut retirer. Tac. Et il faut la mettre. Alors normalement, il faut la mettre comme ça. Alors ce qui va être un peu délicat, c'est de remettre la main. Je veux pas abîmer. Il y a des pecs de Ah ouais. rechange, voilà, à peu près quoi. Elle n'est pas enfoncée complètement, mais il faut bien l'enfoncer. Voilà. Bah, vu le poids de la flamme, je pensais vraiment que ça allait tomber. Mais en fait, Non, c'est prévu pour, hein. bon, on a quand même le bras Ouais. qui. Mais Ouais, après, c'est je quand crois même que lourd, quoi. dans Hein. les images de prototype, il avait le bras vers le bas, en Ouais. fait. On peut pas mettre. Tu vois, on peut pas Ouais. le. Notre toys, On quand peut pas même, le mettre hein. comme ça, tu vois. Ouais. En bras C'est tendu. On peut peut-être pas. parce qu'on n'ose pas trop la manipuler. Fais gaffe, il est en Ok, train de non, je sais. s'avancer. Alors pour lui mettre, il faut écarter les jambes. Oh là, tu vois. On va la poser. Hop. Ouais, très 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 Ouais, tu vas très pas lui fragile. donner des poses de fou, Voilà, hein. elle donne l'impression de fragile quand même. Par contre, tu vois, je l'exposerai pas avec. Le HS, c'est beau, mais ça fait moche avec la truc relevée. Voilà. Non, ouais, il faut l'exposer comme ça. Voilà. Il faut l'exposer comme ça. Magnifique pièce. Franchement, superbe. Celle-là, elle est bien, Je suis content, franchement, qu'on puisse la présenter sur la ouais. Ouais, chaîne. juste le petit détail des courroies, tu vois. Ouais. Mais, ouais, c'est une belle pièce, franchement. Avec tous les détails qu'on a là. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous si vous l'avez déjà. Je pense qu'il y a des Donc, collectionneurs qui l'ont déjà dans. Mika, tu craques sur celle-là, Ah c'est oui, ce que je ça? voulais dire tout à l'heure, Hot Toys avait annoncé, ils vont la sortir en die-cast. Voilà. Donc, Ah ouais. Et je crois qu'il y a deux versions. Je ne sais plus, je n'ai pas trop bien regardé. Mais Hot Toys, ils vont nous la ressortir. Hein. Mais en version Donc, métal. je pense qu'il y a un Et sur mon moment. avis, bon, Ouais. sur mon Oui. brin, bon. Mais du Voilà. coup, s'ils sortent celle-là de diecast, celle-là, Pas forcément. elle va Parce chuter, je qu'on pense. pensait aussi avec le Marty McFly, ils ont ressorti le 1 avec Einstein. Et Ouais. en fait, la première, elle a pas du tout baissé. D'ailleurs, il y a Marty McFly en préco sur TNS Figure. Oui. Elle est en préco à 180, je crois, Mais c'est pas 180. Hot Toys. Oui, c'est une Non, autre marque. c'est pas une autre taille. Hein, Ah, mais elle devait une... pas sortir encore celle-là, je voulais la prendre. Écoute, 180, je crois, ou 190. Je Ouais, trouve que je sais c'est plus la pas cher hein, marque. pour. Non, mais c'est pas du Ouais, officiel. c'est pas du Bref, officiel, par on contre. revient sur Tony Stark. Ben voilà, écoutez, on a fait le tour. Non, mais même le Le socle qu'ils ont socle. mis, Oui, je crois que la vachement sympa, première, il y avait un franchement. socle simple et le visage était pas top, je crois. Ces soudures là qu'ils ont. Ouais. Non, franchement, Elle est belle. elle a quelque chose, hein. Elle a quelque chose. Elle dégage quelque Ouais, chose. ouais, ouais, ouais. Parce que je le veux bien. Parce que je la veux bien. Mmh. Je veux dire, Alex, je la veux bien. Merci, Donc, Jean-Claude. Alex, si Oui. tu vois la vidéo, c'est qu'il la veut vraiment. Alors là, tu peux lui mettre. Arrête. Hein. Merci, Jean-Claude. Ouais. On se Donc, quitte. écoute, je t'inviterai à manger si t'as plus rien à manger pendant les 3 mois après. Ouais, je vais être à manger. Allez, ciao, Allez, ciao! ciao, ciao.